c'est joué dans l'espace. Faut tirer là. Quel but! Il s'est trouvé le bon but, voilà. Quelle efficacité! Superbe arrêt. Le but de Barcelone. Yes. Voilà la situation complètement inversée. Le gardien était bien présent sur la première tentative, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. Il était attentif sur le premier tir et coup de bol, le ballon lui atterrit dans les pieds. Après, c'est presque trop facile. Vouloir, mais cette parade était juste fantastique. Il se prend Elius. Parade superbe. Faut frapper là. Et oui, but. Ils enfoncent le clou en marquant rapidement l'autre but. Il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Et voilà ce qui se passe quand vous laissez un joueur comme lui libre dans la surface. Et c'est quasiment suicidaire. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren ? J'aimerais bien que ce soit Ross Barkley, parce qu'il aime faire le spectacle, ce joueur. Et tous les Anglais aiment son mélange de... Il met la tête ! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. C'est clair qu'il n'y a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent, encore une fois. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure, et au but, il y a but. Il est bien placé ce coup franc, il pourrait la tenter directement. Connaissant la qualité de sa frappe, même à cette distance, ça peut être très très dangereux. Messi ! Exceptionnel ! C'est un coup phénoménal ! Yes ! Goal ! Il compte maintenant l'avance de deux buts. Et cette trajectoire qu'il a trouvée, la classe ! Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était, après, rien à dire sur l'exécution.
Cristiano Ronaldo. Ça va très vite sur le côté gauche. Le bon dribble. Oh, l'inspiration ! Le but pour Barcelone ! Et l'ouverture du score pour le FC Barcelone. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. S'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ça joue long. Cristiano Ronaldo, bien servi sur le côté. Le bon dribble. Il file vers le but. Il tire. Le but pour Barcelone. Et l'ouverture du score pour le FC Barcelone. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Ne résiste pas au contact. La passe est précise. Messi. C'est une véritable boucherie à laquelle on assiste. Mais c'est quoi le truc? Il cherche à battre un record ou quoi? Presque parfaite. Bon, je vous épargne le bulletin météo complet. Je me permettrai juste d'ajouter que c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce match et de vous remercier pour votre fidélité. Merci. Il faut aussi avouer qu'on est... Et la tête ! Et le match semble débuter, mais lui, il est déjà bien présent. C'est clair qu'il lui a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent, encore une fois. Un coup de tête magnifique. Beaucoup de sang-froid pour mettre sa tête. Le geste était parfait. Ça joue long. L'interception, c'était chaud. Un ballon intéressant. Parfaitement piqué. Messi. Il a bien gardé son sang-froid et pourtant, le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile.